Yo les gars, si vous voulez me soutenir dans la boutique, il y a le Hayfire en black coloré, donc très très beau skin, franchement j'adore, donc n'hésitez pas à mettre le code support KDOP les gars, code créateur KDOP, donc n'hésitez surtout pas, merci à ceux qui le feront, ça me fait super plaisir. Yo tout le monde, nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube, celle-ci elle est attendue par de nombreuses personnes et par moi-même d'ailleurs, c'est le test des nouvelles manettes Next Gen, donc je vais donner mon avis dans deux games différentes avec chaque manette, du coup une game chacun avec chaque manette, et à la fin on récapitulera ce qui est bien, ce qui est pas bien, est-ce que la manette est utilisable au quotidien pour un joueur pro et même pour vous, hein, même si vous ne l'êtes certainement pas. Donc voilà, je vais vous dire les points positifs et négatifs. J'ai pas encore joué avec la manette PS5, donc là, ça va être une grande première. La manette Xbox, j'ai vite fait essayer, mais voilà, j'ai pas beaucoup joué avec, donc je vais vous donner mon feeling. J'espère que vous passerez une bonne vidéo, les gars, et que ça va vous aider à faire votre choix ou de garder peut-être les anciennes, hein, du coup. Donc voilà, je vous les montre vite fait. Voilà, c'est les nouvelles Next Gen manettes. On va les tester sur le terrain, à tout de suite. Et aussi les gars, aussi, on se retrouve à la fin de la vidéo YouTube pour savoir bien sûr ce qui va, ce qui ne va pas sur les manettes. Et aussi connaître la note que je vais donner aux deux manettes, donc une note sur 10. Pour savoir à peu près où se situe la manette par rapport à d'autres manettes. Donc voilà, je noterai les manettes, n'oubliez pas. Ok les gars, on se retrouve main sur la manette directement dans le menu. Alors je vais vous parler de mes premiers ressentis, on va dire, sur la manette. Alors j'ai eu quelques infos, je vous le dis, pas de Microsoft, mais voilà, elle est 8% plus petite que l'ancienne. Donc voilà, l'ancienne je l'ai trouvée voilà, prise en main assez correcte, mais un peu petit. Après j'ai l'habitude avec l'ancienne, donc on verra ce que ça donne. Je dirais que les grips, voilà, il y a plus de grip que sur l'ancienne. On va voir ce que ça donne en jeu. Et voilà, après, sinon, ça ressemble globalement à l'ancienne. Il y a les grips aussi sur les gâchettes. Donc voilà à quoi ressemble. À voir ce que ça donne in-game. Ok, on se retrouve en 2v2, du coup, en ranked avec la nouvelle manette, bien sûr, Xbox Series X. Donc voilà, c'est la première game. Oh là là. Ouf. Bip. Oh là là là. Oh, j'arrive plus à flic. Alors mes premiers ressentis, je dirais grip agressif. Un grip extrêmement agressif par rapport aux anciennes manettes Xbox. Et franchement, je trouve que c'est pas agréable pour le moment. Très petite, hein. 8... Comme quoi 8% dans une vie, hein, c'est ça paraît peu, mais c'est exceptionnel parce que je vous jure que les 8% je les ressens. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'arrive pas à flic. C'est parce que je sais pas, je suis trop habitué à l'ancienne manette Xbox. Sinon globalement il y a du grip maintenant sur les gâchettes, et franchement je trouve ils sont plutôt pas trop mal. Je dirais que ça, on dirait que ça augmente un peu la qualité de la manette, on dirait que c'est un peu plus quali, donc ça c'est une bonne chose. Mais globalement ouais, c'est la même manette, c'est la même manette à part ces trois gros changements, donc la taille, le grip derrière la manette qui est vraiment désagréable, hein. C'est un grip agressif. En fait, sur l'ancienne manette Xbox One, c'était un grip soft. Oh, oh, oh. Ah, non, j'ai plus mes repères. J'ai plus aucun repère, hein, ça je vous le dis. Bon, moi j'ai une bonne excuse au moins. Mais ouais, ouais non. Je sais pas. Je sais pas. Premier feeling mitigé. Mitigé, on va dire. Bon, je vais essayer de gagner les games. Ça serait beau. Ça serait beau quand même. Après, voilà. Le truc qui me choque le plus, c'est le grip derrière. Je vous ferai des photos après, mais c'est assez impressionnant. Le grip, il est très agressif. Ça fait limite, ça chauffe les mains, tu vois ce que je veux dire. Ok, nice. Donc, le grip chauffe les mains, mais sinon, elle est parfaite, à part le grip, hein, je dirais. Et la petite taille, bon, c'est... je sais pas pourquoi ils ont voulu changer ça. Alors, j'ai quelques infos techniques, les gars, je vous le dis. Quelques infos techniques que vous n'aurez nulle part ailleurs. Parce que je joue, en fait... Oh, putain. En fait là les gars, je joue sur une manette Xbox Series X modifiée, c'est-à-dire que j'ai enlevé les joysticks. J'ai enlevé les vibrations, my bad. Et de base, elle pèse 238 grammes. Alors c'est déjà léger, hein. Mais j'ai enlevé les vibrations et on est arrivé à un poids de 188 grammes. Et c'est exceptionnel les gars, je vous le dis, c'est exceptionnel.
Donc elle est beaucoup plus légère que la basique, là, celle que j'ai actuellement, parce que je l'ai modifiée tout simplement. Ok, peut-être une première double tape avec. Ok. Donc là, vous voyez, je commence à avoir mal aux mains, sans déconner, non, vraiment. Vous pouvez penser que c'est pas vrai, mais croyez-moi, en fait, le grip est super agressif, quoi. Je me répète, mais ouais, je ne gagnerai pas cette game, hein, je pense. Hein. Je vais quand même essayer, mais ça me paraît complexe. Hein. C'est nice. Oh, dommage, dommage, dommage. Donc ouais, grip agressif. Après, les joysticks, c'est les mêmes. Il y a tout pareil, hein, honnêtement. Il y a tout pareil. Gâchette, par contre, exceptionnelle. Mieux que les anciennes. Alors, ça, c'est un plus. Les gâchettes sont mieux que les anciennes. Et déjà que les anciennes étaient exceptionnelles, mais celle-là, très très bien. À droite ! Allez, please ! Oh, dommage, Jumbo, putain, il se la joue solo, je peux pas le croire. Allez ! Oh non ! Je suis quand même pressé de savoir là, si la manette PS5 est bien ou pas, parce que... C'est vrai que la manette Xbox, on sait tous que je suis un grand fan des manettes Xbox. Donc voilà, sachez, en tout cas les gars, que... Mon avis sera intransigeant, que ce soit Xbox ou PS5. Hein. Pour l'instant, Xbox, honnêtement, je vous le dis, j'ai du mal avec le grip là. Ça fait mal aux mains. On verra pour la mettre PS5. Ok, dommage, je back. Ouais, sinon, vous voyez, je joue à peu près normalement. J'ai juste du mal pour les flics. Et je commence à avoir mal. Mais bon. Après, c'est pas ouf hein, de jouer avec une manette qui te fait mal aux mains. C'est terrible. GG. Je dirais qu'il y a moins d'input lag. Alors ça, c'est des stats que je n'ai pas encore parce que je pense que Microsoft n'ont pas voulu les dévoiler. Mais c'est vrai que... Ah, si, si. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a moins d'input lag. Alors, est-ce que c'est l'USB-C? Parce que maintenant, c'est de l'USB-C, c'est vrai. Oh, dommage. Dommage, dommage. Vas-y, vas-y. Oh, c'était le but, ça. Est-ce qu'on tenterait pas un petit comeback, là? Oh, dommage. Ça démo. Ah là là là, ouais. Manque de précision, malheureusement. Ok, je suis derrière. Dites-moi, hein, les gars, moi, bon, vous savez, dites-moi dans les commentaires, ouais, ça m'intéresse, si vous êtes team grip ou team non grip. Parce que là, vraiment, là, c'est le gros défaut de cette manette. Hein. Je peux d'ores et déjà vous le dire, là, c'est le grip est terrible. Je dirais que c'est une honte de la part de Microsoft d'avoir mis un grip qui fait mal aux mains. Après, voilà, je sais que. Ouais, attendez, c'est peut-être le comeback là. Ok. Oh, allez. Oh, mais c'est 1. My bad. Putain, je pensais que c'était 2-1. Ok, nickel, vas-y. Ok, je vais essayer ma première game avec la manette Xbox, les gars. En vrai, ça serait exceptionnel. Oh, je vais surprendre. Non. Oh, allez. Oh, dommage, sérieux. Oh, j'ai cru. Bon, je peux la faire. Franchement, je sais. Bon, je pouvais peut-être la mettre, mais dans le feu de l'action, tu vois. Bon, déjà, premier feeling. Là, je sers plus ma manette qu'au début du match. Et du coup, j'ai encore plus mal qu'au début du match. Et je déconne pas, les gars, vraiment. Vas-y. En fait, je me suis rendu compte, plus tu te concentrais, plus ta manette, tu la sers. Et au final, bah, vu que le grip fait mal déjà de base, quand tu... Oh là là, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Donc très bonne game. Très bonne game. Ok. Première game gagnée en tout cas avec la manette Xbox One Series X, les gars. Très belle game. Il faut dire, c'est un beau comeback. Bon, on se retrouve en tout cas pour le récap juste après le test de la manette PS5 qui arrive juste après cette game. A tout de suite. On se retrouve maintenant dans le menu pour la première prise en main de la manette PS5. Donc voilà, là je l'ai dans les mains, bien sûr. Donc, extrêmement grosse. Ça, je vous le dis, les gars, premier feeling extrêmement grosse. Alors, pour l'instant, j'ai l'impression de la tenir entre guillemets bien, mais à voir dans le jeu. Je suis pressé de la tester. Donc voilà, en tout cas, un grip exceptionnel parce qu'il n'y en a pas. Ça, c'est beau. Enfin, un grip très très fin. À ce que je peux voir, donc à la limite, ça c'est pas mal. Donc voilà, je suis pressé de la tester in-game, voir ce que ça donne. Est-ce que je vais gagner la game comme avec la manette Xbox Series X? Parce que ça rentre en compte aussi dans la note en la fin de la vidéo, les gars. Si je gagne avec la game, c'est peut-être que c'est une meilleure manette. Donc on va voir, les gars, et on se retrouve dans le jeu. A tout de suite. Ok, on se retrouve sur le terrain avec la manette PS5. Donc première game en ranked avec. Premier feeling. Ouh, déjà,
un plutôt bon kick-off, hein, je dirais. Alors ça me change de ouf, les gars, hein, je vous le dis, j'ai jamais joué avec une manette PlayStation. Enfin, si, j'ai déjà joué, mais récemment, non. Oh, oh ouais. Ah, un problème d'inertie, certainement. Oh, quel dommage. Ouf. Ok, mes premiers feelings avec la manette, les gars, je vais vous les dire, ils sont très simples. Beaucoup trop grandes. Beaucoup trop grandes, j'arrive pas à placer ma main bien sur la manette. Ouais. Ouf. bon, voilà. Pour l'instant, ça passe, en vrai, je dirais. Beaucoup trop grande, je vous jure. Elle est beaucoup trop grande. Donc déjà, je sais presque pertinemment que je ne pourrais pas jouer avec. J'ai des trop petites mains, les gars, je vous le dis. Je suis désolé d'être sèche comme ça, hein, mais je dirais que c'est un gros défaut majeur, en tout cas pour l'instant. À moins que je m'habitue, mais on verra à la fin de la game. Sinon, le grip est exceptionnel, hein, ça je vous le dis. Les gâchettes ont l'air pas trop mal. Les gâchettes sont vraiment peut-être un peu courtes, les gâchettes L1 R1. Mais sinon, en vrai, ça passe. Alors, est-ce que je peux faire un petit truc là? Ouais. Ouais. J'arrive pas trop à faire de grand chose avec ça, mais... les boutons A, carré, etc., etc. sont très bien, je dirais. La manette très lourde, hein, très lourde. On m'a dit, les gars, j'ai les stats, 280 grammes. Hein, 280 grammes. Et là, je pense pas je peux retirer les vibrations. Donc, honnêtement, c'est très lourd. Donc, ça perd en rapidité et en légèreté, bien sûr. Ok, il y a peut-être moyen que je gagne cette game quand même, même avec cette manette. Ah non, je sais pas. Nice save en vrai. Ah, j'arrive pas à face Philippe. Alors, avec la manette Xbox, c'était compliqué. Là, c'est encore pire. Sinon, quoi d'autre dire sur la manette? Je dirais que. Bon, le joystick n'est pas comme le joystick de la manette Xbox, ça on connaît tous. Mais je dirais que les joysticks sont horribles. Concrètement, en fait, ce qui me déçoit, c'est que c'est les mêmes joysticks que la manette PS4. Et la manette PS4, je trouvais ça horrible. En fait, j'ai un feeling. Wow, nice save. En vrai, open. Allez, next. Donc ouais, j'ai un feeling en fait, je sais pas comment vous dire, genre un peu gluant. Alors je sais que c'est très bizarre, un peu pas gras, mais je sais pas, j'ai pas un bon feeling avec les joysticks, mais ça a toujours été, hein, donc c'est pas la manette, c'est juste peut-être moi, hein, le problème. Mais bon, les joysticks, je dirais pas qu'ils sont ouf, beaucoup trop lourdes, très grandes, mais de très bonnes gâchettes et un très bon grip de... Grip subtil vis-à-vis de la manette Xbox qui a un grip agressif, hein, il faut le dire. Franchement, ça c'est un gros point positif. Ok, vas-y. Enfin, j'ai du mal à être fluide dans mes mouvements. Après, c'est la première fois que je l'essaie aussi, hein, donc voilà. En vrai, si je pouvais la gagner, ça me ferait extrêmement plaisir. Là, hein. Ok. Ah ouais, non. Ah, le joystick il glisse. Ah, le joystick il glisse. Ah, je vous l'avais dit, hein. C'est gluant. C'est gluant, ça glisse. Une vraie patinoire. Une vraie patinoire, ce joystick. Je sais pas comment les autres joueurs pro jouent avec la manette PS4 parce que c'est exactement le même joystick. Bon, j'arrive un peu mieux à flick, je dirais. Ok, j'ai encore. En fait, vous voyez ma paume de main, les gars. Donc le centre de ma main. En fait, j'arrive pas à le coller H24 avec la manette. Et ben, en fait, ma main bouge. Parce qu'en fait, j'ai des trop petites mains. Enfin, franchement, ça va. J'ai pas non plus des mains de Minimoys, tu vois. Mais en fait, j'arrive pas à coller ma main bien contre la manette, quoi. Et c'est terrible parce que ça veut dire qu'elle n'est pas utilisable par tout le monde. Si j'en résume bien le truc. Ok, vas-y. Ok. Dommage, vas-y. Ah, je peux pas le bump. Si. Allez. Oh, c'est exceptionnel ça. Oh là là. Bon, je me rate sur le tir, mais au moins il y a de l'idée. Travail, j'arrive pas à être fluide, hein. Très peu fluide. Je dirais qu'en fait les... Comment on peut dire ça, les poignées de la manette sont beaucoup trop longues. Sont beaucoup trop longues et c'est vraiment dérangeant. Okay, nice. Je vais y aller. Alors j'essaie d'être 100% objectif, les gars, hein. Ça c'est... Vous me connaissez. Ouh, dommage. Ah là là, je suis oublié. Mais je vous jure, mes mains, c'est... J'ai pas fait... Je peux pas vous les montrer parce que bon, voilà, sinon vous allez avoir une vision sur autre chose. Mais parce que je joue les mains sur les cuisses. Mais en fait, le problème, c'est que ma main, je peux pas... Elle est pas fixe en fait.
Tu vois, t'as l'impression que t'as grippé pas bien la manette. Non pas parce qu'il n'y a pas de grippe, attention. Nuance, nuance. Allez. Très précise. Alors, on note très très précise en vrai. Mais ok, j'y vais. Ouais, gros défaut, c'est la grandeur quoi. Si elle était peut-être 8% plus petite que la manette, comme la manette Xbox, elle serait peut-être exceptionnelle en fait. Donc voilà. C'est plutôt mon avis là. Bon, je gagne ce game en plus là. Donc ça veut dire que les manettes ne sont pas une excuse aux mauvais joueurs, les gars. Retenez bien ça. Oh là là, exceptionnel. Crazy save un peu. Alors là, je vais jouer le temps un peu. Il m'a laissé le boost, quel frère. Là, vas-y, vas-y. Middle. Oh, c'est mieux. Je vais tenter un frame. Ouh. Oh putain, c'est pas mal. Ok. Ok. Ah, oh, j'ai du mal à être fluide, putain. Ok, nice. Oh, oh what, dommage. Oh putain, il a touché sur mon écran, quoi. Incroyable. Est-ce que ça serait pas une petite game gagnée, là? 800 points, en vrai, avec la manette PS5, je m'attendais pas à ça, je vous jure. Première fois que je l'utilise en ranked, vraiment, no joke. C'est une win avec la manette PS5, les boys. En plus, avec 800 points, donc on peut dire que j'ai porté la game. C'est cool. Donc voilà, on se retrouve pour le récap final et la note de la manette juste après cette game, donc juste après la maintenant. À tout de suite. Ok les gars, du coup on se retrouve pour les points positifs de la manette. Tout d'abord, prise en main exceptionnelle. On n'est pas dépaysé parce qu'elle ressemble énormément à l'ancienne manette, juste avec moins de 8% au niveau de la taille. Donc c'est identique presque au niveau de la prise en main. Ensuite, Les joysticks sont exceptionnels, pareil que l'ancienne, donc les joysticks, très très gros point fort de cette manette. Un autre point positif, les gars, c'est les gâchettes qui sont juste très très bien, mieux, je dirais, que l'ancienne manette, c'est-à-dire qu'ils ont rajouté un mini grip, vous verrez en vidéo, mais c'est pas vraiment un grip, c'est plus, voilà, c'est un mini grip, on va l'appeler ça comme ça, mais très très bien, je pensais pas, hein, j'avais peur, au final très confortable, donc voilà, en général, voilà, il n'y a que ça qui change. Il y a aussi le pads, aussi, je ne vous l'ai pas dit, en point positif, qui est rajouté par rapport à l'ancienne, qui est bien. Après, voilà, qui se sert. Enfin, voilà. Je dirais que, voilà, il clique mieux. Mais voilà, c'est tout. Donc, très, très bonne manette en général. Mais, malheureusement, il y a des points négatifs que je vais vous citer maintenant. Les points négatifs de la manette sont le grip qui est derrière. Quel malheur, ils ont osé mettre du grip sur ma manette Xbox One Series X. Le grip agressif, donc très très gros point négatif, grip agressif. Donc voilà, ça c'est terrible. C'est terrible d'avoir fait ça parce que ça a détruit la manette tout simplement. Honnêtement, je dirais qu'il n'y a que ça comme gros défaut de la manette. Donc voilà, pour ce qui est des points positifs et des points négatifs de la manette Xbox One Series X, on se retrouve tout de suite pour la même chose, mais pour la manette PS5. Alors on se retrouve pour le récap de la manette PS5, donc on va commencer par les points positifs les gars. Points positifs de la manette PS5, le grip, un point positif, c'est-à-dire que il est presque... C'est un grip très léger, très subtil, et honnêtement il est très 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 bien, donc c'est un bon point positif pour PS5, le grip. Donc un autre point positif, les gâchettes aussi, les gâchettes qui sont honnêtement de bonne facture. Je les aime bien, meilleur que la manette PS4, donc c'est un point positif. Et pour finir, les boutons. Donc comme vous voyez là, les boutons X, carré, triangle et rond, qui sont honnêtement très bien. Bon, c'est difficile de faire un truc pas bien, donc on peut les mettre dans les points positifs. Et malheureusement, et là je ne vais pas vous surprendre, mais malheureusement, il n'y a que ça de positif sur la manette PS5. Et on va passer tout de suite aux points négatifs. On se retrouve pour les points négatifs, ça va vite. On se retrouve pour les points négatifs. Déjà, le plus gros défaut de la manette, je vais commencer par ça, c'est déjà la taille. Honnêtement, elle est très très grande, trop grande. Elle correspond absolument pas à toutes sortes de mains. Et faut vraiment avoir de grandes mains en étant tout à fait honnête, hein, vraiment. Donc la taille, très très gros point négatif. Ensuite, les joysticks.
Les joysticks, pareil. C'est ceux de la manette PS4. Donc, je suis pas étonné que j'aime pas du tout. Je trouve que c'est vraiment un gros point négatif. C'est-à-dire qu'ils sont gluants, ou je sais pas comment dire, mais les joysticks en point négatif. Ensuite, autre point négatif, la lourdeur, les gars, elle pèse très exactement, et je l'ai fait moi-même, hein, 280 grammes, ce qui est quand même énorme, hein, pour une manette, comparée par exemple à la manette Xbox One. Et pour finir, très mauvaise prise en main. Alors je sais que ça va à peu près avec la taille, mais il faut le dire, une manette de grande taille, ok, mais en plus, la prise en main est vraiment pas bonne, c'est-à-dire que les poignées sont beaucoup, beaucoup trop grandes, beaucoup trop longues. Donc voilà, je dirais que c'est les quatre points négatifs, et honnêtement, c'est pas des petits points négatifs, et ils sont irrattrapables. Donc voilà, voilà pour les points positifs et négatifs de la manette PS5. Ok, on se retrouve pour le récap final des deux manettes, les gars, après avoir testé en jeu, essayé, etc., etc. Je vais donner les notes. Donc, pour commencer, la manette Xbox Series X sera, les gars, et je vous le dis, notée avec une note de 5 sur 10. 5 sur 10, parce qu'honnêtement, une manette qui fait mal, je peux pas donner plus de la moyenne à une manette qui fait mal. Donc, il faut que ce soit vraiment la moyenne. C'est-à-dire que pour moi, elle est exceptionnelle, mais le truc, c'est qu'elle me fait mal, donc je ne peux pas non plus la noter de ouf. Donc si Xbox, et là c'est un message à Microsoft, si Xbox parviennent à corriger ce grip agressif, la manette sera notée à 10 sur 10. Voilà. Et ensuite, donc voilà pour la manette Xbox Series X, donc en général, globalement, très très bon feeling, sauf le grip. Voilà, il n'y a que ça à dire en réalité. Et la manette PS5, les gars. Voilà, là à mon avis, là vous n'êtes pas prêts. La manette PS5, honnêtement, les gars, trop grande, inutilisable pour moi, vraiment inutilisable. Je bouge mes mains quand je joue, un truc de ouf. Donc la note finale de la manette PS5 sera de, et là je vais pas vous surprendre, les gars, sera de 2 sur 10. 2 sur 10, je sais que ça peut paraître sévère, mais honnêtement, une manette qui n'est pas faite pour tout le monde et vraiment que pour une minorité de personnes. Parce que tout le monde n'a pas des mains de fer épique, par exemple. Donc voilà, 2 sur 10. Je suis désolé, PlayStation. Franchement, vraiment, j'aurais souhaité mettre une bonne note à la manette PS5, les gars, mais malheureusement, beaucoup trop grande. Les mêmes joysticks que la manette PS4 qui sont pas très bien. Voilà, le grip était là pour sauver la manette. Sinon, c'était un 0 sur 10, hein, concrètement. Voilà. Hein. Donc voilà, 2 sur 10. 5 sur 10 et 2 sur 10, en tout cas, les deux manettes. J'espère que voilà, j'ai pas été trop dur et que vous comprendrez mes choix. Et voilà quoi. Ok, on a fini avec le récap, les gars. J'espère et je souhaite que vous me compreniez dans mes choix. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars, dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à noter aussi les manettes sur 10. Ceux qui les ont testées, bien sûr. N'hésitez pas, ça m'intéresse. Dites-moi ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, etc., etc. Merci d'avoir regardé la vidéo YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. On a dépassé les 200 000 abonnés aujourd'hui. C'est très, très gentil de votre part. Je suis trop content. Merci à vous. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. À très bientôt. À très vite sur la chaîne YouTube. Peace. Merci les gars. Ciao.